musique de grands artistes amenée au plus proche des habitants. C'est le concept des concerts de poche, une association créée il y a 18 ans par la pianiste concertiste Gisèle Magnan. Son souhait, partager la musique classique, lyrique et jazz en amenant les morceaux de compositeurs dans des lieux de proximité, dans les zones rurales et les quartiers prioritaires. Des événements sont organisés dans toute la France et notamment sur notre territoire. On mène des projets donc en partenariat avec les communes de Sarrancement, Zétain et Rémy-Alphin depuis 2019. Donc là, ce sera la troisième édition. Et donc, on a le plaisir d'accueillir deux artistes de talent, donc Svetlana Rousseff et Emmanuel Rosfelder, pour ce concert du coup à la salle communale de Sarrancement. Les deux pointures de la musique ont interprété notamment des morceaux de Paganini, de quoi enchanter le public. En amont du concert, des ateliers musicaux ont été organisés pour les élèves et les habitants des trois communes participantes. Création, interprétation et improvisation étaient au programme, en étudiant les démarches de composition des musiciens. Après leur passage en Moselle-Est, la programmation des concerts de poche se poursuit dans tout l'Hexagone.